spectateurs. 5 de pique célèbre Blanche Loea Kamoun. L'artiste marie son héritage libanais au raffinement parisien. Retour sur l'union de la sensibilité orientale et de la conscience française. Née en 1912 au Liban et décédée en France en 2011, Blanche Loea Kamoun est l'une des premières femmes diplômées de la faculté de droit des Jésuites à Beyrouth en 1931. Elle se tourne finalement vers l'art, qu'elle a libène depuis toujours. Son père, avocat, est aussi poète. Sa mère, libano-italienne, revendique son héritage culturel européen. Son frère, membre de la délégation de l'UNESCO, l'encourage et la soutient. Dans les années 30, Jean Cobert, peintre polonais, enseigne les arts plastiques aux filles de bonne famille. Parmi ses élèves, Blanche Kamoun. Il encourage les étudiantes à développer un style personnel. Blanche Kamoun poursuit son enseignement classique dans l'atelier de Habib Esrour, à qui nous avions déjà consacré un épisode. La jeune femme fait ses armes avec des illustrations pour le quotidien libanais Le Jour. Elle épouse un officier de l'armée française, le colonel Andrea Loeyak. Le couple s'installe à Paris. L'artiste travaille dans son studio et reçoit dans son salon. Dans le courant des années 60, elle évolue vers l'abstraction et fait partie de l'avant-garde parisienne. Elle crée à cette époque une texture de sable, mica, briques pilées et ciment. Elle nomme ce matériau sablérisé. À partir de cette matière, elle produit une série étonnante de peintures abstraites et irisées. La peintre tient une dizaine d'expositions individuelles au Liban et en France. Elle participe au Salon d'art sacré à Paris, au Salon des comparaisons, à la Maison des métiers d'art. Blanche Loea Kamoun se voit distinguée par l'attribution de la médaille d'or du mérite libanais en 1957. Auteure de 5 ouvrages qu'elle illustre, elle est honorée du prix de l'Académie française pour Zénobie, reine de Palmyre, en 1964. 5 de pique vous présente une toile sans titre, exécutée par Blanche Loea Kamoun. Cette toile fait partie de la collection de la famille Loea Kamoun. L'œuvre est issue du courant post-impressionniste. Ce mouvement date de la fin du 19e siècle. Il regroupe le pointillisme, le synthétisme, le symbolisme et les nabis. Ses pionniers se nomment Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Henri Matisse ou encore Pierre Bonnard. L'ambition est de renouveler l'esthétique impressionniste pour donner à l'art un sens plus large. Ici, la scène intérieure dévoile une jeune femme dans son hammam. Au premier plan, parée de bijoux, la femme est richement vêtue. Elle s'applique des soins dans un espace privatif. L'œuvre de Blanche Loea Kamoun privilégie les messages émotifs exprimés grâce aux couleurs chaudes. La lumière tamisée confère une dimension intime à la toile. Les fenêtres dévoilent un environnement luxuriant. L'artiste se consacre à la ligne et au dessin, ouvrant la voie aux décorations raffinées de l'art nouveau. La fin de carrière de la peintre sera synonyme d'un retour au figuratif et à la production de fleurs et portraits, comme à ses débuts. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, une coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art, expression de l'essence de la vie.